débuté ma journée au travail de manière assez maussade. Premièrement, le temps était très moche, c'était gris, il faisait un peu frisqué. Et bon, même si c'est vrai, on est en Guadeloupe, le frisqué qu'il y a ne correspond pas au frisqué qu'il y a à Paris. Mais toujours est-il que le temps n'était pas top, j'avais pas super bien dormi, donc bref, une sorte d'atmosphère en tout cas qui contribuait au fait que ma journée n'ait pas démarré sous les meilleurs auspices. On commence la journée, pas mal de dossiers sur le bureau, etc. Donc ça a contribué à ce que l'ambiance un petit peu morose commence à se solidifier. Je me suis rendu compte que c'est l'accumulation de plein de petites choses qui peut faire qu'on a soit une mauvaise journée ou soit une bonne journée. Mais il faut aller encore plus loin. Il faut qu'on puisse réussir à être acteur en fait. Et je me suis rendu compte que je me suis sentie beaucoup mieux en fin de journée, lorsque j'ai été véritablement l'actrice de ma propre vie en fait, où je me suis dit, bon écoute, on oublie ce qui s'est passé ce matin, on oublie les différentes choses qui ont fait que tu n'as pas été contente, mais on se concentre sur le positif et puis surtout j'ai décidé de voir les choses différemment. Par exemple, pour les personnes qui ne m'avaient pas encore répondu, j'ai fait des relances. Pour les personnes qui n'étaient pas nécessairement de bonne humeur, je demandais comment elles allaient, j'essayais d'aller vers les autres, non pas me positionner entre guillemets comme une sorte de victime, mais d'être véritablement actrice de ma journée pour pouvoir avoir un résultat positif. Et c'est ce à quoi j'ai envie de vous encourager pour cette semaine, c'est d'être acteur de votre changement pour pouvoir voir le positif. Donc les chéris doudous, je vous encourage, agissez, souriez, faites des compliments, discutez avec les autres. En fait, lorsque vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas, soyez acteur. Lorsque vous voyez que quelque chose bloque, soyez également l'acteur pour faire en sorte que la situation puisse évoluer autant que possible. Voilà mon conseil du jour et de la semaine les chéris. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas vous aussi dans les commentaires à me dire comment est-ce que vous faites pour améliorer votre journée. Est-ce qu'il faut écouter une chanson? Est-ce que vous dansez? Qu'est-ce que vous faites en fait? Quelles sont vos petites techniques? Quelles sont vos manières de changer un petit peu l'atmosphère qu'il y a autour de vous? J'ai hâte de savoir ce que vous en dites. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous de gros gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo et en cas d'autres, à l'hôpital. Bye bye!